Allez, c'est parti. On va commencer du coup par les 13 premiers packs. Donc on a des packs un peu de tout défi. Et ensuite, on ira faire les 3x84x20 des swaps. J'ai tellement galéré à faire ces swaps, je n'en peux plus. On va juste se faire plaisir à packer. On commence la petite preview tranquillement. En vrai, qu'est-ce que je veux? Je veux des folders. Pourquoi pas faire les deux packs icônes? J'aurais bien voulu faire les doubles renforts 85+, mais malheureusement, ils partent à 17h30, donc ils sont plus là. Mais voilà, pourquoi pas faire les deux packs icônes? On a eu George Best en premier. Donc on verra ce qu'on a, et puis on va ouvrir ces 13 petits packs tranquillement. Ça se lève, premier panneau du pack opening, Brésil, AT Firmino. Ok, j'ai plus aucun 83, donc tous les fodeurs sont bons à prendre. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une icône Coupe du Monde aussi. Hein. De toute façon, j'ai jamais packé une icône sur ce FIFA, mais les petites icônes Coupe du Monde, et puis d'autres joueurs World Cup, hein, ça part dans 3 jours, donc je crois que ça part jeudi. Non, ça part vendredi, je suis bête, ça doit normalement partir vendredi. Et vendredi, il y a encore un nouvel événement, j'ai pas envie de garder de pack hein, pour l'événement, c'est bon. Hein. Allez, dernier amélioration or, ça se lève encore, c'est intéressant. Norvège, MDC, et ça sera Dolberg. Hochberg, je suis bête, je confonds tout le temps. On va faire le joueur or 84+, vu machin, j'aurai un 84. Regardez bien, ça sera un 84. Hein. Allemand, MDC. La vache. En plus c'est un pack offert hein. C'est le truc où tu dois gagner 50 matchs pendant les 4 ou 5 jours de la Black Friday. Bon, ça allait vite avec les swaps hein, vu que j'ai fait au moins 10 swaps hier. Ah, j'ai tryhard, j'ai vraiment tryhard. Et le petit Kimmich 89 qui tombe là dedans. Il nous reste 5 packs. On a 4 packs à 25 000, 1 pack à 55 000. Et ensuite on ira chercher les 84x20. Le premier pack à 25 000, ça clignote pas, dommage. Allemand gardien. Allez, ça se lève encore une fois. Savic. Ouais, Savic 84, ça se prend. Et on finit avec le pack à 55 000 de ces petites récompenses de défi à droite à gauche. C'est une grosse animation. Allemand, MOC. Thomas Müller. On aura du coup récupéré Müller et Kimmich 87-89. En vrai, c'est des bons petits fodders. À voir ce qu'on a dans les 84x20, bien évidemment, mais c'est bien. On valide du coup la première équipe pour ce pack 3x84x20. On aura fait donc le pack 84x20 solo, le pack 82x20 solo. Et là, on va faire le 3x84 et on s'arrêtera là. On n'aura pas récupéré de joueurs. En vrai, il n'y a pas vraiment de joueurs qui m'intéressaient en particulier. Et j'en ai 10. J'ai vraiment flippé. J'avais tellement la faim. Franchement, en plus, au moment où je me suis vraiment mis à faire les swaps, c'est depuis hier, j'ai dû faire 10 swaps je pense, et encore j'ai acheté 2 packs pour avoir des swaps en boutique, et c'est là qu'ils ont mis 10 matchs par heure. Donc quand tu veux faire tout d'une traite, c'est très très chiant. On valide du coup la seconde équipe, on récupère 100 crédits à chaque fois, hein. C'est vraiment extraordinaire. Et les 3 packs 84x20 qui sont là. J'espère vraiment que ça va régaler. Hein. Je sais pas. Ou on a des top joueurs, ou on a des gros fodders, on fait le pack icône. Franchement, je sais pas. Parce que là, il y a quoi comme pack qu'on peut faire? Ils ont enlevé du coup les doubles renforts 85, donc vraiment, c'est chier de pas l'avoir fait. On a le choix bilan de l'année qu'on peut faire. Les deux packs icônes qui restent. Les renforts, ouais, Team of the Week, c'est pas intéressant. Le renfort 84, le choix joueur 83+. Donc à voir ce qu'on va faire. Hein. On va faire en vrai le premier. On va faire une tech image, une petite prédiction, bien évidemment. Le premier pack 84x20 est ouvert. On en aura encore deux. Non, normalement, il n'y a pas de doublon pour la simple et bonne raison que j'ai 0,84. Donc, si j'ai du doublon, c'est que c'est des joueurs vraiment intéressants. Il y a 0 doublon pour ce premier pack. C'est rare. Hein. Ok, Rice. Partez. Allez, faut vite passer à 85. Carvajal. Tadic. De Vrij. Matip. Di Maria. On a du coup déjà 6, 7, 8, 9. On a déjà 9,84. Et là, va vite falloir partir. On n'en veut plus de 84. 84. 84. Non, mais c'est pas possible. Arrêtons les 84, là. 85. 85. 85. 86. Vinicius. Vinicius, c'est bien. 86. 86. 87. Ok, ok, il y en a un déjà. C'est qui ça? Merde, tu es con. Alors, la carte World Cup, attention. Je suis sûr que c'est Modric. Mateus Nunes. Que j'ai plus, qu'on a mis dans un SBC. Ok, et ensuite, flop hein, ce premier pack, hein, c'est pas fou. C'est pas fou, mais bon, c'est pas grave. Et je crois que j'ai mis un joueur en vente rapide, non? Oh non, c'est Mitrovic. Pardon, il y en avait deux. J'allais le mettre en vente rapide, j'ai même pas fait. Ah oui, j'ai même pas fait attention. Bon, en vrai, ça va. On fait le 2 pour le deuxième. C'est parti. Allez. Mertens. Ouais, Mertens. 86. De toute façon, fallait qu'il tombe. C'est notre troisième World Cup en deux packs.
Et du coup, bah déjà, je pense que ça coûte prix minimum. 26 000 crédits, prix minimum. Et attention, qu'est-ce que cache ce deuxième 84 x 20 ? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ah, c'est une grosse défaite, hein. C'est une grosse défaite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 animations. Mais c'est finalement le même pack qu'avant, hein. Ouais, on a ça en doublon, donc il va falloir faire un petit SBC. Mais en vrai, c'est vraiment pas dingue, hein. Si on se le dit honnêtement, les potes. On valide du coup cette équipe. Choix, joueur, bilan de l'année. Il faut mettre 2,86. La porte, on l'a en doublon. J'espère vraiment que ce choix, il va nous porter chance. On va se refaire une prédiction, une petite tech stat. On peut avoir qui ? On peut avoir Messi, Valverde, Alaba et Bennacer. Je crois que c'est vraiment les 4 meilleures cartes à avoir. On ressort l'image d'Mbappé. On ouvre ce choix bilan de l'année. On avait fait le choix campagne. Il était exécrable. Ok. C'est pas ouf ça. Ça va être, regarde, ça va être un Gosens. Rome 85. En vrai, ça va. Et l'autre, ça sera. Ça peut pas être à la base. Hein. Philippe Medel flashback. Pas très content de ce pack, mais de toute façon, Rome, je vais pas le jouer, donc on va prendre Medel. On est reparti, le dernier 84 x 20. Combien de doublons ? 7 doublons. Savic, Zeko, Ramos, Laporte, Rodri, Müller et Mitrovic. Donc déjà 4 animations en doublons et il nous reste du coup 13 éléments. Il nous reste du coup 12 éléments. Tonali 84. Allez, Davis, il faut vite passer à 85. Non, mais arrêtez. Arrêtez avec vos 84, eSport. 87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 4 cartes. 88. Zielinski. Trapp. Et Joao Cancelo, ok. Celui-là était vraiment, vraiment, vraiment bien. Après, malheureusement, Cancelo, j'ai déjà le MDC. Donc bon... Il me sert un peu à rien. Et on va très clairement partir pour un petit SBC icône. Hein. On va aller faire l'équipe à 87. On va aller mettre tous ces doublons. Allez, on valide du coup la première équipe du pack icône. Kimmich qui carré bien. Et puis voilà. Hein. En vrai de vrai, il y a pas mal de doublons. J'ai mis tout le monde en doublons. Hein. On récupère un pack à 25 000 qu'on va directement ouvrir en vrai. Hein. Si on peut avoir des... Eh mais du coup, j'ai des 84 en doublons. Allez, deuxième équipe de ce second pack icône. Ça fait longtemps que j'ai pas fait deux pack icônes avec un timing aussi rapproché. Pack premier mort cette fois-ci. Ok, du coup, on va ouvrir les deux packs pour essayer d'avoir des petits folders pour faire l'équipe à 85 tranquillement. Et on récupère nos 3,84. Ça, c'est bien. Dommage, ça se lève quand même. Ma type 84, ça c'est pas mal en vrai. Et la dernière équipe du pack icône avec 1,86, Zielinski 85 et 4,80. Ouais, en vrai, on s'est vraiment bien sorti pour cette équipe. Pack joueur or et on termine du coup notre second pack icône, enfin notre troisième pack icône de l'année. On récapitule, Bobby Moore, George Best. Si ça va comme ça, là c'est R9, hein. Mais bon, on va pas non plus trop s'emballer. Le second pack icône, après Bobby Moore, après George Best, nous allons voir est-ce que nous sommes sur une pente ascendante ou bien descendante. Il est ouvert. J'espère que c'est pas une icône en doublon. Mbappé qui est un petit peu choqué hein, par la situation. Et on le comprend. Ce n'est pas une icône en doublon. C'est donc une troisième icône qui rejoint notre club. On va rallumer la télé. Et j'espère sincèrement qu'on va avoir une icône. C'est con quoi. Suède, il faut pas. Broline encore une fois. Ok, on a l'habitude. Ça me va. Suisse, il n'y a personne. On continue. Pays-Bas en garde. Pays de Galles. Wow. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Ça met la pression. République tchèque. Ok. République d'Irlande. Ok. Là, tu vois, tu passes un petit peu les nations que tu respectes, mais que t'as pas trop envie dans ton pack icône. Mexique, attention. Est-ce qu'on aura Puskás ? Non, on n'aura pas Puskás. Encore une fois, malheureusement. C'est dommage. Irlande du Nord, t'imagines, on a Best une deuxième fois. Vous imaginez, on aurait eu Best Mid ? Oh, ça aurait été terrible. Écosse pour notre ami Daglish. C'est pas Daglish, ok. Nous sommes dans le top 9. On va commencer par Argentine, vu qu'il n'y a pas Maradona. Argentine, c'est horrible. Ok. Déjà, c'est pas Argentine. On peut... Eh, vous savez qu'on peut être bien. Italie, on va... Non, on va faire Angleterre. On va procéder par élimination.
Oh là là, franchement, j'en ai marre. Oh, aïe, 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 mais quelle déception, mais quelle déception! Non, pas toi! Ah, j'ai envie de le remettre dans le pack icône, hein. Oh, Ian White, la défaite de dingue! Aïe, 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 encore une icône anglaise. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible, hein. La tech, pourtant, la tech pays partait bien. Mais derrière, tu prends Ian White. Est-ce que tu veux vraiment ça? Bah, pas vraiment. On a eu le 87, on n'a pas eu le base, donc on aura eu deux middle et il vaut 68 000 crédits, soit son prix minimum. C'est une défaite. On valide les amis, cette équipe à 87. Alors oui, on met Joao Cancelo. J'ai sa version MDC. Cette carte-là, elle peut jouer DD, DLG et l'autre, elle peut jouer DLG. Donc voilà, cette carte-là va pas me servir à grand-chose. On a craqué, on part pour ce deuxième pack icône. Deuxième équipe à 85. Voilà, attrape et puis bah, il est. De toute façon, j'ai personne à mettre et l'équipe qui ne veut même pas se valider, c'est absolument terrible. On valide ça, on va récupérer Matip aussi que j'avais en doublon et on va s'attaquer à la dernière équipe. Attention, est-ce qu'on aura l'icône World Cup? C'est triste, hein. L'équipe à 83 qui surtout détermine ce dernier pack icône. Non, qui montre. J'ai pas le mot, j'ai un manque de culture et de vocabulaire un petit peu important. C'est pour ça que je ne vais seulement plus à l'école. Si j'ai encore un. Non, je vais pas porter le karma, je vais rien dire. Je vais rien dire, le troisième renfort icône de base. Et comme dirait Liam et Vincent, toujours pas de logo. En vrai, j'ai envie de le regarder, mais en même temps, la tech pays, elle est quand même extraordinaire. Hein, faut dire ce qui est. Elle est pack pré-mort. Et normalement, avec les deux choix, on aura terminé les paliers World Cup. On va aller voir ça. C'est à grand jour. Nous sommes le 29 novembre. Et normalement, regardez bien, on a fini le défi World Cup. Et attention, 749, il en manque encore une. Le pack icône de base ou moyenne 87+. Déjà, l'objectif, c'est d'avoir une quatrième icône qu'on n'a pas. Comme ça, ça fera 4 icônes dans le club. Et pourquoi pas partir sur un fut champion avec une full icône un jour. On clique, on envoie. Attention. Un doublon ? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un doublon ou pas? Non, c'est pas un doublon. Déjà, on a une quatrième icône dans notre club, à part si je l'ai mis en vente rapide et je ne pourrais pas la récupérer. On est reparti pour cette tech pays, messieurs, dames. Franchement, on est fatigué parce que souvent, ça paye pas. Angleterre qu'on n'arrive jamais à passer, s'il te plaît. C'est pas anglais. On a fait Argentine, on a fait Angleterre. Maintenant, il faut passer Espagne. Allez. On a fait Argentine, on a fait Angleterre-Espagne. Maintenant, il faut passer Italie. Ah ouais, Italie, il n'y a même pas. Il n'y a rien du tout. J'ai bugué carrément. Il faut passer maintenant Allemagne. Oh, j'ai eu peur. Portugal, Pays-Bas, France, Brésil. Portugal, attention. Ça ne sera pas portugais. Pays-Bas. Oh, j'ai eu trop peur. Oh non, Cruyff en prêt, mais qu'est-ce que tu fais là, mon vieux? C'est entre France et Brésil. Si là, il n'y a pas, on a une icône brésilienne. Nous avons une icône brésilienne. On commence par DG. Roberto Carlos en prêt, ce n'est pas Roberto Carlos. Ensuite, on enchaîne par DC. C'est pas DC, DD. Les amis, MOC, il y a de très grandes chances que là, il y a quelqu'un. Oh, la défaite. Pff. Oh là 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 là, Socrates 89, 180 000 crédits. On aurait eu quand même Brésilien MOC pour avoir Socrates. Après, sur la miniature, je peux toujours marquer MOC Brésilien 89, les gens vont croire à Ronaldinho. Et là, ça serait méchant de ma part. Je vous comprends.